Salut à tous pour ce nouveau daily vlog. Donc là on se retrouve sur les sièges. Ça va être un daily vlog spécial parce que du coup c'est moi qui filme et ça va être un petit peu stressant quand même. Donc là on va aller voir papa et maman. Ils sont revenus des courses, il me semble bien là. Donc là ils ont déjà déchargé un petit peu, ils ont été prendre un petit peu de matos. Bonjour maman, tu es prêt daily vlog? Salut à tous. Ouais, c'est bon, impeccable. Et toi, t'es prêt? Nickel. Ok. Bah alors, du magasin, on a été faire quelques achats, les cornières, quelques bricoles, des chevrons, et puis pour les cuves à eau. Et là, on vous a pris ça au magasin. Oh! Salut, le bandit! Il a pris des monsters. Voilà. C'est quoi ce boulot? Je peux pas ramener la surprise. Voilà, faut mettre vos lits en or. Il n'y en a qu'une qui a fait son lit, c'est Lucie. Et moi? Non, non, non. Toi, si j'ai fait mon lit. Si, j'ai fait mon lit. C'est maman qui te l'a dit en même temps. Ouais, mais je l'ai quand même fait. Bah, on peut pas l'aimer. Bah, voilà. Ça passe pas. Hier, Lucas, il dit je vais vous faire voir, moi, comment on fait des saltos. Et là, il court de tout le couloir. Il arrive sur le matelas par terre. Et là, salto. Au moment donné, on lui a dit tu peux pas, parce qu'on avait peur qu'il se fasse mal. Son cou, il passe à ça du matelas. Histoire des comme une petite crevette. Il a dit non, non, mais gérer. Mais attends, mais ça fait peur. Il a Lucas et tout, il est comme ça. Et là, il descend de son lit. Il a peut-être la première arme. Tu dis, parce que c'est un truc là, ça m'a fait hyper peur. Oh, punaise. Moi, ça me fait peur. Alors? Ah, bah, il n'y a plus de place. Ma vie m'a fait. Mais ils sont trop beaux, tes cheveux. Bah oui. Allez, on range, on met les poufs. Regarde. Non, c'est pas fait pour sauter, je le savais. C'est fait pour s'asseoir. Et qu'est-ce que tu fais là-bas, toi? Elle va squatter sur les sacs de couchage en dessous des lits. Tu peux pas lui mettre. Hein. Ah, papa, il va t'aider à faire ton lit. Oh, excuse. Depuis tant plus qu'on en réclamait des poufs. Bah, et ça, c'est quoi ça? Tes caleçons là! Impossible! C'est sur mon épaule! Mais ça, ça lui s'est stoppé! Non! Ça, c'est l'hydra house. Ouais, attention! Non, mais c'est pour moi! Ah, c'est pour tout le monde! Aïe! Ça va? Oh, sauvage! Ils vont pas durer longtemps! C'est pour tous les quatre! Qu'est-ce que tu fais, Lucas? Je vais te montrer comment ça marche. Là, quand même, c'est Julien, là. Je te mets dessus, on va enlever les étiquettes, hein, tout à l'heure. Tu le mets comme ça, et après, tu viens t'asseoir. Et tu le mets en canapé ou en lit, comme tu veux. Moi, okay. Je vais le mettre au lit. Okay. Moi, je vais le mettre au lit. Mais non, arrête de faire une guignole, là. Comment on le met au lit? Dans le lit, tu mets un peu plus comme ça. Tu fais ta petite place. Mm-hmm. Hop. Tu as posé. Voilà. Quoi? Là, là, là. Les bandits, ils veulent voir comment tu fais un salto. Un moment. Ok, bon là on se retrouve dans le garage, je suis en train de ranger un petit peu mon... C'est le bordel. Ouais, mon établi parce que c'est un peu le bazar. Bon voilà, c'était un petit peu le bazar. Tout à l'heure j'ai ramassé, il y avait de la sciure partout. Donc là ici j'ai mon mandrin. Donc je le ferme comme ça il est à l'abri des poussières, tout ça, je le mets dans le coin. Enfin voilà, je range un petit peu tout. Ici j'ai toutes mes gouges, tout ça. Et puis voilà, après je mets un petit coup de soufflette un peu partout pour nettoyer. Donc là vous voyez, on se retrouve du coup avec Lucie qui se sert déjà des poufs pour faire l'école. Ça va Lucie? Oui. Ok, ça va Julia? Ouais. T'es tranquille là? Ouais. Posée, pépère. Ça va maman? Oui ça va, je vérifie la vidéo qui sortira ce soir. Ok. Voir si papa il a bien travaillé ou pas.
Là, je suis en train de préparer mes tasseaux pour faire la petite plateforme de droite pour recevoir la cuve d'eau de droite. Voilà, c'est bon, j'ai rangé un petit peu mon bazar, donc là c'est quand même beaucoup plus propre que tout à l'heure. J'ai tout soufflé avec le compresseur, tout ça, et ici j'ai tout soufflé aussi parce que là il y avait plein de poussière. Ici il y avait plein de poussière et du coup papa il m'a demandé de souffler, on mettra un drap après. Voilà, et je pense que je vais faire une petite vidéo avec le trépied quand je serai en train de tourner. Vous êtes beau comme ça, vous. Ouais, carrément. Allez, viens. Allez. Morceau de bois et puis je vais tourner. Donc là du coup je vais faire une cuillère à miel, je vais partir d'une base comme ça, donc je vais trouver le centre, je vous allez voir comment je vais faire. Et les petits morceaux de bois là, bah en fait il y a truc en bois qui nous ont envoyé plein de morceaux de bois, et du coup je prends les petits comme ça pour faire les cuillères. Et voilà, allez c'est parti. Donc là je vais prendre pour trouver le centre. Je vais prendre les coins. Je vais prendre les coins du morceau. Et comme ils sont carrés, je vais trouver le centre. Vous voyez, là j'ai le centre. Alors oui, alors aussi pour éviter de user la pointe là. Des poupées fixes et poupées mobiles. Ce que je fais, c'est que je prends un marteau. Et ça, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Et là, je viens directement faire un petit trou, en fait, dedans, dans le centre. Et comme ça, ça évite de trop casser la pointe de la poupée fixe et de la poupée mobile. Voilà, un petit truc comme ça. Donc là, voilà les pics, là, je vois qui se sont un petit peu enfoncés. Donc ça, c'est bien. Hop, ça, toujours bien le serrer, hein, d'autre sens. Faut toujours bien serrer parce que si jamais le truc il se desserre quand il tourne et que le morceau il vole, ça peut être très dangereux. Du coup je fais ça. Donc moi personnellement, quoi donc, tu n'as pas fait une balle dans la campagne. Si, tu vois où il y avait ton lit avant, et bah dans le trou derrière il y a une grosse balle géante. Vas-y, allez pour toi. Pas vrai, on va aller chercher la balle. Donc du coup ici, mais non, mais si, ouais, tu veux le mettre dans, tu veux aller mettre la sûre dans la toilette à nous, hein? Vas-y, va mettre la sûre dans le toilette. Non, c'est pour mamie. Non, c'est pour nous. Vas-y. D'accord, on en fera après. Donc, personnellement, oui, moi, je vais prendre cette gouge là pour tout dégrossir, parce que celle-là, elle vibre pas trop et je la sens bien. Parce que... Attends, Lucas, je suis en train de filmer, regarde. Donc, du coup, je prends cette gouge. Donc, normalement, voilà, c'est avec celle-là qu'on dégrossit. Mais je trouve que l'autre est dégrossie quand même un petit peu mieux. Enfin, je me sens beaucoup plus à l'aise avec elle, en tout cas.
Ensuite, je prends celle-là, qui est bien pour faire bah, les petites finitions. Voilà. Et l'outil que bah, papa m'a fabriqué. Celle-là, c'est une lime pour bah, creuser dans les... J'ai tout poignard pour c'est nickel. Il y a les petites rainures, tout ça. Je fais la petite boule. Alors la boule et le petit creux qui est ici, c'est un petit peu entre guillemets ma marque de fabrique. Voilà. Bon bah allez. Donc là Lucie, elle va faire sa vaisselle. Moi je vais débarrasser après. Et puis là il y a papa qui est... Et puis là du coup bah il y a maman qui dort en mangeant un Kinder Bueno. Et puis il y a papa qui est en train de faire l'autre support de cuve pour l'autre cuve à eau. Hey, t'as mal là, pourquoi tu filmes? Bah parce que j'ai envie de filmer. We'll be right back.
veut dire quoi zoomer? Zoomer, c'est quand on est très loin, bah on zoome. Et ça sert à quoi? Bah de zoomer, si on est très loin, on zoome. Et donc, ça nous permet de faire quoi? De regarder plus loin. Voilà. De regarder plus loin, de plus près. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais où sommes-nous? Mais dans quel véhicule sommes-nous? On a fait une petite folie. Bon, en fait, c'est Théo qui devait faire le vlog aujourd'hui. Il en a fait une bonne partie, mais on a dû partir un peu en urgence pour aller chercher ce véhicule. Et en fait, c'est un véhicule... Pour offrir à ma mère. Voilà. Donc, son elle est anniversaire. Pas au... Voilà, donc elle n'est pas au courant. Elle voulait un petit véhicule pour s'aménager et tout ça, ceci, cela. Et bah là, on est parti lui chercher, on va lui offrir et bah, on va l'aider à l'aménager. Ouais, il va aménager une bonne partie. Voilà, elle va nous aider à l'aménager. Donc là, elle ne sait pas du tout. On a dit oui, on va voir pour une maison et tout. Ouais, maison pour elle. Voilà, c'est ça. Maison donc les pots courants. Ah, le soleil, on ne voit pas. Elle arrête pas de nous tanner depuis 2-3 ans. Moi, un petit camion, j'aimerais bien, machin. Et ben voilà, nous, on avait des choses à faire avec notre argent. Et ben on va reporter, c'est pas grave. On a tout le temps nous, pour faire nos rêves. Et ma mère, elle a ce petit rêve-là et elle a 65 ans. Donc il est temps de le faire en fait. C'est pas 70 ou 80 balais qu'elle pourra faire ça. Donc c'est maintenant. On a dit allez hop, on fonce. Charlotte a été sur le bon coin, on a trouvé. Et bim. Il venait tout juste d'arriver. On a dit bon, il y a encore des petits trucs à faire à droite et à gauche. Là, on a fait une bonne On était les premiers. On a dit vas-y, c'est bon, avec elle. Donc on est content. Donc là, on reprend la route. On était en Vendée. On a encore 2h30 de route. Et bah c'est parti. Donc on a fait la vidéo, vous la verrez demain et Monique elle sera ce soir. Dans un futur fourgon aménagé. C'est ça. Allez, on reprend la route et puis on se dit sûrement à tout à l'heure. Bon, on avait trop faim. Du coup on s'est arrêté. On a été chercher une petite pizza, un petit camion là. Donc voilà, on s'est arrêté pour manger une petite pizza et une petite nanette qui faisait des pizzas sur le bord de la route. Tiens, tu t'es fait mal, c'est bien fait pour toi, tiens. Mordu là, c'est bien fait pour toi. C'est le bon Dieu qui t'a puni. Allez, on reprend la route. Est-ce qu'il commence Dieu à faire noir? Il est trop gentil, le bon Et Dieu. En tout cas, ça roule bien, ça. Vas-y, ouais, on aménage ça, on part en vacances avec ça au bout du monde. Ouais, mais oublie pas qu'on est 6. J'ai l'impression que je roule dans une Twingo. Ouais, j'avoue, c'est confortable quand même. Bon, allez, je coupe, j'ai trop mal au bras. Ok, bon, bah là, c'est bon, les bandits, on se retrouve dans le bus. Ouais. Ouais papa, je suis en train de faire la fin. Ça y est, on est rentré. Mamie très contente. On vous en dit pas plus, on vous dira ça demain. Bah on peut en dire un petit peu. J'ai spoilé un peu. Ouais mais je l'aurais pas fait voir moi. Moi si. Le camion. Ah bon? C'est Lucie qui fera la visite demain. Ah bon bah Lucie demain, sera. C'est ton jour. Ouais et bah Lucie tu seras chargée de faire visiter. Après Lucie c'est le petit camion. En tout cas, mamie, elle est contente. Elle est contente. On savait pas parce qu'avec ma mère, c'est tout rien. Hein, c'est vrai. Au départ, elle était, mais non, c'est pas vrai, c'est du bluff et tout. Ah non, c'est à toi. Non, regarde le papier de ventilateur, ton nom, c'est ton camion. Voilà. Donc là, ça y est. Mais non, c'est ton camion. Je vais mettre un petit truc ici, un petit lit, un bidon, je vois, pop. On va te faire un vrai fourgon aménagé. On va te faire un truc simple, mais voilà. Avant, une petite maison. Une petite maison roulante. Qu'on va faire en parallèle de Rocket, bien entendu. En tout le monde va s'y mettre. Hein, les enfants. Surtout moi. Donc là, il est 12h30. Jérém, faut qu'il aille faire son montage. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre, quelle séquence il va avoir dans le téléphone. Est-ce que je vais avoir du boulot ou pas? Est-ce qu'il va le faire ce soir et il ne va pas finir demain? Partie. Il y a une mouche qui s'est collée sur ta joue. Je pense qu'à mon avis, tu vas le finir demain matin. Ouais, je pense que j'en vais finir un petit peu demain matin. Voilà, quoi. Bon, ben voilà, c'est tout ce que tu avais à dire. T'as rien d'autre à dire au bandit. T'as dit tout ce que tu avais à dire aujourd'hui. Ça s'est bien passé. T'as tourné. Ouais, moi j'ai bien aimé à refaire. À refaire, tu regardes dans le trou là-bas. Ouais, c'est ce que je fais là. Je regarde ça là, ici. Regarde pas toi. Ouais, pour... Et bah c'est bien, ça t'a plu cette petite expérience? Ouais, j'ai bien aimé, franchement. Je sais pas du coup si vous avez bien aimé ou pas, mais en tout cas, moi perso, j'ai bien aimé. On verra au montage. Est-ce que vous avez bien aimé MB? Imbir. On l'appelle Imbir.
Pas ça veut dire monoboucle. Pourquoi? J'ai plein de monobouclettes. Non, t'as qu'une monobouclette. Bah ouais, ouais, on l'appelle MBA. MBA. On a son MBA. On a son MBA. Non, parce que MB, MB, parce qu'il a juste une seule boucle. Monoboucle. Bah voilà. Normal. Monoroue, il n'y a qu'une roue. Donc il a qu'une seule boucle. Du coup, on se moque de lui. Ouais. C'est trop drôle. On va se coucher. Quoi, pas toi, mais nous tous, on va se coucher. Bon, à bientôt pour un prochain daily vlog, bah pour demain avec Lucie. Avec Lucie, mettez des pouces en haut, des pouces en bas, des pouces toujours, des pouces quand même. D'appuyer sur le petit bouton rouge rectangulaire, ça faut. Eh, c'est mes phrases, ça. T'en as pas toi des phrases plutôt que de copier les miennes. Et le, il y a un petit truc gris, c'est ça a la forme d'une cloche. Faut appuyer dessus. Hein, voilà, à bientôt, bye bye. Salut les bandits. Bon, et on a même pas eu le temps de dire c'est au revoir, il coupe comme ça, voilà, c'est demain. Les bandits. T'es prête pour ta journée de demain? Je sais pas trop. Allez, à demain, bisous. Bisous, ciao, bye bye. Ciao, bye bye. J'ai pas fait mon bisou. Salut les bandits.